Hello, hello, mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour notre nouveau rendez-vous quotidien? Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons découvrir encore une fois un tout nouveau jeu. Vous me l'avez recommandé, mais je l'avais déjà vu depuis un petit moment sur le site où je vais pas mal piocher, où je pioche pas mal de petits jeux plutôt cool. C'est tout simplement le jeu Good Boy, donc ça veut dire bon garçon. Je pense qu'à mon avis, le but du jeu, c'est qu'on doit être un bon garçon. Peut-être que notre mère va nous donner des directives et on va devoir faire ce qu'elle nous demande. Je sais pas trop en vrai à quoi m'attendre, je me suis pas trop spoilé. Du coup, bon, on va aller découvrir ça. Est-ce que je vais être un good boy ou un bad boy aujourd'hui? La réponse dans les vidéos. Bref, on commence, on balance l'intro et on y va. Ça commence exactement comme ça, avec un effet un petit peu de dessin, genre start. Bon, par contre, le start fait un peu flipper, hein. On dirait qu'il est fait en sang, donc je pense que c'est quand même un jeu assez sombre, même si le titre a l'air de passer crème. Je pense que, à mon avis, on va avoir un jeu assez spécial aujourd'hui, pour changer, hein. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ok, on dirait la musique d'Undertale un peu. Très bien, bah merci, cool ta vie, mec, hein. Bon anniversaire, garçon que je ne connais pas, du coup. Ah, très bien. Donc ouais, il y a une patte graphique un petit peu spéciale, c'est en noir et blanc. Oh, c'est stylé en vrai, j'aime bien le côté visuel. C'est sympa, ça fait carton. Ça fait très carton. Bah c'est carton en fait. Il y a un chat aussi. Salut mon pote. Ok, bon, il est content de me voir apparemment. Eh, hey, monsieur Mittens, j'ai une petite guitare. Voilà, j'aime bien faire de la gratte de temps en temps. Et nous avons cette lettre. Qu'est-ce qu'il a écrit? Interact with... Ah, tu peux interagir avec les objets avec la touche E. Donc là, par exemple, je joue à la balle. Je peux peut-être éventuellement, voilà, faire sur mon petit nounours. Dégager les blocs. Jouer de la gratte peut-être aussi. Hop, voilà. Et on a un coffre à jouer. Mon vieux box à jouer, ok, que m'a donné ma grand-mère. Très bien. C'est peut-être elle, notre grand-mère. Hein. On voit pas grand-chose, mais... Ok, barrons-nous d'ici. J'aime bien, en tout cas. Ça a pas l'air d'être compliqué en termes de gameplay. Let's go, les amis. Explorons encore la maison. Oula, c'est quoi cette lumière rouge, là? Oula, c'est quoi cette lumière rouge? C'est le chétan qui est dans la cuisine? Ou bien c'est comment? On va encore embarquer dans une drôle d'aventure, hein. Maman? Papa? C'est vous? Ah... Ok, c'est fermé. Ça veut vraiment dire ne viens pas ici, je suis occupé. Occupé à faire quoi? Je ne sais pas. Ah, peut-être que c'est mes parents, les LED rouges, tout ça. Ok, ok. Oh, ok, on va faire attention parce que là, je peux aller sur un terrain glissant. My sleepy birthday boy. Bon, bon anniversaire. Playing with the cash and the morning didn't you? Ok, bon, notre mère se tape une barre toute seule. Pourquoi est-ce que tu ne resterais pas ici et jouer pendant que je finis de préparer ton dîner spécial anniversaire? Oh, oh, c'est qui ça? Ah, très bien. Et alors, tu as le pouvoir d'ouvrir les portes à distance. En fait, tu es une Jedi. Notre mère est une maître Jedi. Elle a sûrement été l'élève de maître Yoda, hein. Possible, cela est. Notez sur 10 mon imitation de maître Yoda, là, s'il vous plaît. Ok, apparemment, c'est peut-être la période d'Halloween parce qu'on a des pumpkins ici. On a des citrouilles, du coup. Ok, des bébés citrouilles. Très bien, on a notre chat qui est de nouveau là. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? What? C'est quoi ce dessin ultra flippant, là? Ok, un dessin de ma grand-mère. Ah, ça c'est notre grand-mère. Ok, elle ressemble à un des trackers d'Harry Potter, mais tout va bien, tout va bien. Ok, il n'a pas envie de regarder la télévision. Je peux aller voir notre daronne ou pas? Ah non, très bien, c'est bloqué. Bah je vais essayer d'aller ouvrir la porte là-bas, parce que je crois que ça mène dehors, normalement. Ok, bah c'est bloqué, donc je vais aller me faire voir. Notre petit chat peut-être? Ok, il est content. I tickle tous. Bah elle a dit d'attendre, donc je dois juste jouer à mon avis. Je vais cliquer sur pas mal de trucs. Voilà, faire genre que je m'amuse. Et on verra si à un moment donné, je pourrais peut-être éventuellement... Ah, mon dîner est prêt. Ok, parfait, parfait. Appeler ma grand-mère. Ah, très bien, ok. Du coup, comment est-ce que je fais? J'ai entendu un bruit de porte. Est-ce que je peux revenir en arrière éventuellement? Ouais, ça c'est ma chambre. Est-ce que je pourrais éventuellement aller là-bas? Attends. Ah non, je crois que ma grand-mère est là et je dois tout simplement lui demander de venir. Oula. Oula, oula, c'est quoi ça? C'est la lampe, ok. Wow. Qui c'est? Bah, c'est ton petit-fils. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, grand-mère, c'est toi? Oh, waouh, waouh, mon... Ok, je pense qu'ils font exprès de vouloir nous faire peur, mais je pense qu'elle est gentille, la grand-mère, hein. Oh, mais c'est mon bon garçon. Et, frère, notre grand-mère, c'est un serpent, ou bien c'est comment? C'est quoi, ce bruit? Oh, putain. Oh, elle fait tellement peur, la grand-mère, frère. Oh ouais, la tête, on l'a pas ratée, hein. Oh, oh. Salut, grand-mère. Mon gentil garçon, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Oui, tu as un cadeau pour moi? Tu sais à quel point grand-mère adore ton anniversaire. Oula, tu t'es bizarre un peu. Je vais te donner un cadeau dans le hall, mon gentil enfant. Tu peux aller le récupérer. Ok, donc apparemment j'ai un cadeau de grand-mère dans le hall. Ah, je ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que... Très bien. Grand-mère, qu'est-ce que tu m'as pas dit? Très bien, attends. Donc peut-être que je dois aller derrière ici. Bah, comment je fais? Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Il doit bien y avoir un moyen de revenir. Ah bah ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi je pouvais pas revenir. Donc dans le hall, apparemment, j'ai un cadeau.
de notre grand-mère. Oh putain, ok. What? Pourquoi il y a du sang? Maman? Non, me dis pas que... Mais non. Maman? What? C'est dans ma chambre en fait qu'il y avait du sang. What the fuck? Qu'est-ce que je dois faire? Imagine, je peux planter le chat. Do it. Quoi? Mais non. What? Je viens de planter mon chat. Mais ouais, je voulais pas faire ça. Oh non, je viens de buter le chat. Oh putain, j'ai trop le seum. J'ai vraiment trop le seum. J'avais pas le choix, à mon avis, pour avancer dans le jeu, j'avais pas le choix. En fait, c'est un couteau possédant une âme diabolique. Cette âme vient de me posséder, c'est ça? Je dois tuer au nom du démon grand-mère? What? Putain, imagine, t'as tué ma mère. Oh, en fait, je dois aller là où il y a du sang pour à chaque fois faire une victime, je pense. Et à mon avis, j'ai deux chats. Je pense qu'il y a plusieurs chats dans la maison. Ouais, c'est ça. Oh, mais non. Désolé, désolé, mon chat. Ah, je suis désolé. Clairement, ça me fait chier de tuer des animaux, mais là, j'ai pas trop le choix. Le jeu est assez dark. Maman? Tu es là, maman? Maman? Ah, regardez comment elle est toute mignonne. Regarde ça. Du coup, où est grand-mère? Et qu'est-ce que tu... Ah, ou qu'est-ce que tu fais? Regardez, elle nous a fait un gâteau et tout. Mais non, me dis pas que je vais devoir planter ma mère. Oh, elle a l'air tellement gentille. Regardez, ils font exprès, c'est horrible. Non, non, vraiment? Oh, putain. Désolé, maman. Ah non, c'est horrible. Putain, la grand-mère, j'espère qu'on va pouvoir... que tout ça se retourne sur elle, contre elle plutôt, et qu'on puisse la buter. Ah, elle était tellement gentille, mignonne, notre mère. Gentil garçon. Maintenant, viens vers moi. Putain, je vais venir te planter, la grand-mère. Je vais pas te mentir que là, j'ai vraiment la rage. J'ai la rage du terre-terre. Là, je vais tout faire pour essayer de planter la grand-mère. Là, je vous le dis, c'est mon objectif, les amis. Planter la grand-mère et venger mes chats et ma mère surtout. Qui nous a fait un gâteau en plus, putain, censé être mon anniversaire. C'est quoi cet anniversaire? Mon gentil garçon, tu l'as donc fait. Mais notre maître, il a besoin de plus de sang. Plus d'âme, plus de sang. Bah, démerde-toi, si tu veux, je peux prendre ton sang, grand-mère. Je peux te planter, prendre ton âme. Et aussi ton sang, et le donner à ton fameux maître. Ah, ok, il y a un coup de téléphone avec un écran rouge, hein, ça fait plaisir. Pour une fois que c'est pas un écran noir. Ok, 911, quelle est votre urgence? Ok, donc on a appelé les urgences. S'il vous plaît, à l'aide, quelqu'un, un tueur, en gros, est venu au 123 Cherry Street. S'il vous plaît, clique. Ok, en fait, elle veut ramener des gens pour pouvoir les éliminer, en fait, pour récupérer plus de sang et plus d'âme. Putain, mais c'est pas possible, c'est un carnage, ce jeu. Ça va être un carnage à la fin, vraiment. Oula, 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 oula. Ok, ok, donc ils sont là, les secours sont là. Et je les attends avec un couteau. Yes, super. Bon anniversaire, frérot, vraiment. Pire grand-mère, je le savais en voyant la photo au début du jeu que ça allait être une grand-mère bizarre. C'était sûr. Pauvre chat. En plus, on dirait que je l'ai vraiment planté au niveau de son trou de balle, hein, pas se mentir, voilà, disons les termes. Good boy. Ouais, il écrit good boy en cube. Et la grand-mère se téléporte littéralement. Hein. Elle est en train de transitionner entre un moment qui se trouve je ne sais où et du coup, la réalité. Par contre, c'est une fin sur trois. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre fin? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre fin? Je ne saisis pas, je ne saisis pas. J'aimerais bien au moins avoir une deuxième fin pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, je sais ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de voir si on peut pas éliminer la grand-mère. Si je peux faire ça, ce serait trop trop bien. Du coup, ici, je suis au moment, c'est très long parce que les dialogues, tu peux pas vraiment les passer. Mais du coup, limite, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de contourner le couteau. Et juste d'aller... Ah, j'ai le... Ok, j'ai le couteau. Ok, exprès. Bon, bah alors, je vais faire la première idée que je voulais faire. C'est tout simplement retourner voir la grand-mère s'il y a moyen d'ouvrir cette porte et de la planter avec le couteau. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Ah ouais, ce serait trop bien. Oh oui, je peux. Yes, j'ai planté la grand-mère. Trop bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Elle m'a demandé de faire des choses horribles. J'ai tué ma daronne, mes chats. Non, 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 c'est bon. Là, il fallait clairement se venger de la grand-mère. Mais du coup, attends, comment on va réagir la mère s'il y a une cinématique par rapport à ça? À moins que ce soit un rêve, non, un cauchemar. Oh, ça continue du coup, sauf que je me retrouve dans une pièce vide. Je me suis peut-être fait enfermer par ma mère. Oh, que ma mère m'a enfermé, est-ce qu'elle me prend pour un psychopathe? Est-ce que tu penses que c'est terminé? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Humanly struck down the puppet. This master, ok. Maintenant, j'ai besoin d'un nouveau jouet. Ok, je suis un jouet en gros là, what? En fait, c'était peut-être pas une bonne idée de tuer la grand-mère. Oula. Oula, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je suis en train de me faire posséder, je sais pas si quelqu'un vient ou si je suis en train de me faire posséder. Je vais quand même essayer d'aller ouvrir la porte pour voir s'il y a moyen ou pas. Non, je peux pas. What? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, oh, what?
What the fuck, je suis en train de me faire aspirer mon âme là. What? Le sol est devenu complètement. Je sais, une ombre. Le sol, c'est clairement une ombre. Je peux m'en aller ou pas? Est-ce que je peux m'en aller? Non, je peux pas. Waouh, je vais me faire dévorer par une entité bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est donc ça, ma vie maintenant, c'est le néant complet, quoi. Je vais dans l'obscurité totale. Ok. Alors, on a eu un écran rouge. Là, on a le fameux écran noir hein, qu'on connaît bien. Mais du coup, c'est la fin? Oh, ending. 2 sur 3. Ah! Super. L'état dans lequel se trouve le gosse, je pense que ça s'est très mal fini pour lui. De toute façon, on s'en doutait un petit peu. Franchement, c'était lourd comme jeu, c'était cool. Assez original, je vais pas vous mentir. On nous demande vraiment de faire des choses horribles, donc c'est vraiment pas évident. Tu dois éliminer les chats, éliminer ta mère et tout, tout gentil. J'avoue, t'as vraiment un gros pincement au cœur, mais c'était plutôt cool. C'est un jeu très sombre. Je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit comme ça, mais c'était très sympa. J'avoue, belle découverte. Belle surprise, j'ai adoré. J'espère du coup aussi que c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, bah dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, mettez votre meilleur like, sinon vous aurez la même grand-mère que celle qui est sur dans la vidéo. Et je peux te dire que ce serait terrible. Bref, abonnez-vous aussi également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Free, ciao ciao.